Ouais, virus, la femme terriblement mariée. La seule et l'unique pondeuse de Facebook. Mais là, ce sont faits pour ça. Mais là, ce ne sont pas faits pour vendre le piment. Mais là, ce sont faits pour pondre et faire bon usage de mes lasses. Je suis du clope. Donc aujourd'hui, j'annonce officiellement. Quoi que j'annonce, je fais ma demande officielle à la reine mère bio, Nathalie Babalé, hein? La reine des femmes terriblement mariées. S'il te plaît, ma reine mère bio, je veux faire mon entrée officielle dans la ligue des femmes terriblement mariées. Terriblement, terriblement responsable et terriblement capable. Je m'aime trop. Moi, je préfère être une poule pondeuse que d'être un coq éternel. Donc, je vois déjà 1 h du matin sonner. On va commencer à faire les fous fous sur moi. J'aime bien quand on mine et puis au morceau s'y joue. Ah, ça, le bon. Donc, nous, on n'est pas là pour le chiffre 400. Parce que le chiffre 400, là, parfois, ça diminue. Donc, on dit 400 et après, on y a les ouais de 40. Donc, nous, moi, je fais ma demande officielle ici à Nathalie Babalé, la reine mère bio. Vraiment, ta petite fille virus a envie d'entrer. J'ai envie que tu me prennes officiellement, n'est-ce pas, dans le club des femmes terriblement mariées, terriblement responsables et terriblement utiles à elles-mêmes. Voilà. Très chers internautes, je suis Sa Majesté la pondeuse, le seul virus qui a créé un concept que personne n'a pu relever jusqu'aujourd'hui sur Facebook, c'est d'accoucher chaque année. Et jusqu'à présent, ça reste mon concept personnel. Donc, ça fait de moi une personne très unique à mon genre. Très chères sœurs et frères, Dieu a dit, allez sur la terre et multipliez-vous. Il n'a pas dit, à nous les femmes, allez sur la terre et vendez le piment. Il n'a pas dit à nous les femmes, allez sur la terre et faites de vos tortes des comment on appelle ça, des recueils de spermatoïdes. Spermatoïdes, oui. Il a dit qu'on doit se multiplier. Et la femme va se multiplier. Comment? Comment une femme peut prouver qu'elle se multiplie? Comment une femme peut prouver qu'elle fait bon usage de son tote? C'est en donnant la vie. On n'enlève pas la vie. Nous, on donne la vie. Dans le club des terriblement mariés, terriblement responsables, terriblement heureuses et des grandes ambitions, nous, on donne la vie. On n'enlève pas la vie, on donne la vie. Donc, moi, Sa Majesté la pondeuse, je suis très fière de faire très bon usage de ma tote. Au moins, c'est visible aux yeux du monde ce que je fais de ma tote. J'ai entendu dire que je serai une vendeuse de piment. J'ai un seul acheteur dans ce cas-là. Au cas où je vends le piment, j'ai un seul acheteur et c'est monsieur mon mari. Et il achète très bien. Au point où, comme vous pouvez voir, la virus qui était crasseuse avant, aujourd'hui je suis là devant vous sans make-up, rien. Je prie, je rayonne. Je suis très belle, je suis bien épanouie. Et je vais vous dire, on reprend un imbécile par un coup de silence. Donc, personne, et vraiment personne, et rien, ne va me ramener dans les clashs sur Facebook. S'il y a une personne qui pense m'avoir offensé et qui pense qu'il y a quelque chose à régler entre nous, on va le régler peut-être un jour face à face. Mais moi, les réseaux sociaux, j'ai dit non au clash. Mon mari a dit, chérie, je t'interdis les clashs. Si tu veux garder ta page Facebook, trouve un truc que tu peux faire dessus. Si tu veux faire tes vidéos pour t'amuser, j'ai rien contre,
mais plus de vidéos de clash ou d'injures. Et une femme terriblement mariée comme moi, qu'est-ce qu'on fait? On obéit à son mari. Donc, allez dire à mon confrère, Monsieur l'Éternel Lecoq, que son cocorico n'a pas été entendu cette fois-ci. Je suis désolée de la décevoir, mais son cocorico n'est pas fait pour les pondeuses comme moi. Ouais, nous les pondeuses, on écoute les cocoricos des coqs qui peuvent se reproduire. Comme mon coq, quand il monte sur moi, on se reproduit. On n'écoute pas les cocoricos des coqs irréproduisables. Interdit le clash et non au clash. Non à la frustration, non à la saleté, non au mélange. Donc, c'est ce que moi, j'avais à vous dire ce soir. Virus Lydia a fini avec Fleur de Lyre. Et compresseur. Va-t-on s'en sortir sur cette toit? J'espère qu'elle tiendra sa parole et ne retournera pas dans les clashs. Abonnez-vous et partagez nos vidéos.